Bienvenue chez vous, bienvenue chez vous, bonsoir, bonsoir, amis de Rangotsasa. Rangotsasa va aujourd'hui vous parler de beaucoup de choses. Voilà, Raphaël Ngomatsasa, sur Rango TV, j'aimerais bien vous parler de certaines choses qui peut-être déferlent l'actualité ou alors les causeries dont on est parfois attaqué par les amis, on en parle, on ne se comprend pas. Les limites du classement des milliardaires des par Forbes. Forbes, c'est le livre, c'est le site qui écrit, qui parle des millionnaires, des milliardaires. C'est eux qui font le classement. Mais alors, on va parler de cela. Votre présentateur ce soir, c'est Raphaël Ngomatsasa, je suis vraiment très serein pour vous en parler. Le palmarès des grandes fortunes établi chaque année par le magazine américain est attaché de nombreuses limites méthodologiques. Donc, ce que les gens doivent savoir est qu'il y a beaucoup de limites méthodologiques. Comme chaque année, les milliards s'étale à la une de Forbes, qui a livré donc le 6 mars son dernier classement des personnalités les plus riches du monde. Voilà, vous l'avez bien compris, un marronnier plutôt, qui fait bien et souvent figure, donc qui fait bien plus riche du monde, un marronnier qui fait bien souvent figure de maître étalon de l'économie mondialisée, alors qu'il est donc loin de refléter fidèlement la richesse réelle des élites financières du 21e siècle. On est justement au 21e siècle. Forbes ne mesure qu'une partie de la richesse. Voilà. On vous précise ici que Forbes ne mesure qu'une partie de la richesse. Donc, le classement Forbes ne mesure pas l'ensemble de la richesse d'un individu. Et on comprend aisément pourquoi avoir toute la bonne volonté du monde. Donc, il serait donc bien impossible à ces journalistes d'examiner exhaustivement tous les comptes bancaires, propriétés immobilières, tableaux, yachts et jets privés des grandes fortunes mondiales. Donc voilà, quand on est fortune mondiale, il s'agit donc des comptes bancaires, ça c'est sûr, des propriétés, des tableaux, des yachts, des jets privés, des grandes fortunes mondiales. Donc on regarde un peu, on examine exhaustivement tous les comptes bancaires et des propriétés immobilières, des tableaux. Quand on parle des tableaux, donc des tableaux de tout ce qu'on a comme tableau, voilà quoi. Ça, c'est tout à fait une évaluation exhaustive. Donc on essaie de voir un peu tout ce que monsieur a et c'est alors qu'on peut déterminer ça. Donc logiquement, c'est ça. Le magazine se contente plutôt de quoi? Le magazine Forbes se contente d'évaluer donc la valeur de
tous les actifs dont nous avons la preuve qu'ils appartiennent à la personne. Donc, explique Louisa Kroll et Kerry Dolan, les deux responsables du classement au sein du magazine. Ça veut tout simplement dire que dans le magazine, il y a des gens qui sont responsables pour pouvoir classer, pour dire que telle ou telle autre personne est millionnaire, telle ou telle autre personne est plus millionnaire que l'autre. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on regarde ce qui est officiel. Ce qui n'est pas officiel, on ne regarde pas. Donc, pour les amis congolais, je veux seulement vous dire que nous ne devons pas rentrer dans la polémique à la con, dans la polémique qui n'a pas de sens, dans la polémique qui dit, parce que l'autre, il se dit prêtre, qu'on croit qu'il a plus d'argent que l'autre. Donc, vraiment, nous sommes en train de parler ici des vrais millionnaires. Non, le vrai millionnaire, il faut examiner exhaustivement ce qui rentre sur son compte, ce qu'il a comme immobilier. Et on parle des biens immobiliers, mais déclarés. On parle de surtout ce que l'individu, la personne a. Donc, il faut mener une enquête journalistique, par exemple. Ce sont eux les spécialistes qui mènent une enquête juridique, journalistique pour pouvoir déterminer ça. Donc, le magazine se contente d'évaluer la valeur de tous les actifs dont nous avons la preuve. Donc, j'ai bien dit les actifs dont nous avons la preuve. Ceux qui ne connaissent pas le mot actif peuvent demander au voisin, il vous dira ce que veut dire actif. C'est-à-dire, quand on dit la preuve qu'ils appartiennent, c'est-à-dire les actifs, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme bien, tout ce qu'on possède actif, c'est ce qu'on a. L'actif, c'est l'activité, c'est tout ce qu'on peut avoir pour pouvoir déterminer que tel ou tel est riche ou plus riche que l'un ou l'autre. Donc, l'exactitude de la fortune affichée d'un individu, c'est ça qu'on appelle l'homme le plus riche. C'est celui qui a, quand on regarde l'exactitude de la fortune affichée de celui-là, qui dépend donc de la qualité de l'enquête journalistique, mais surtout de la transparence des déclarations du milliardaire. Or, il s'agit d'une vertu peu répandue à ce niveau de patrimoine. Voilà. Donc, ne venez pas me parler de quelqu'un qui a de l'argent ou qui déclare l'argent, qui ne déclare pas son argent et il va dire qu'il est plus millionnaire que l'autre. Donc, vraiment, tout ce qui n'est pas déclaré, vous n'êtes pas millionnaire. C'est pourquoi on trouve des gens qui ne sont pas cités dans le rang des millionnaires, mais on soupçonne qu'ils sont millionnaires parce qu'ils ont peut-être de l'argent sale, ils ont peut-être de l'argent qu'on ne voit pas. Voilà. Dans des pays comme les nôtres, et on a des millionnaires qui sont millionnaires, mais qui n'ont pas d'argent visible. L'argent qui n'est pas visible, c'est-à-dire l'argent qui n'est pas déclaré. Il a des appartements qu'il a achetés au nom des femmes, au nom des autres femmes, des deuxièmes, troisièmes bureaux, mais qui n'a jamais déclaré. Donc, le classement Forbes passe ainsi à côté de fortunes gigantesques dissimulés dans leurs propriétaires dans les juridictions discrètes et surtout opaques, comme les sociétés écrans, les fondations ou les trucs, les trusts, les charités par exemple. Si vous avez de la fortune cachée dans les trusts, dans les charités, donc on ne peut pas compter ça comme étant fortune. Voilà. L'exemple de l'homme d'affaires américain Jim Simons est un égard édifiant, bien sûr. La fortune de ce fondateur d'un puissant fonds spéculatif new-yorkais était donc estimée à 18,5 milliards de dollars en 2017. L'enquête donc Paradise Papers, publié en novembre 2017 par Le Monde et une des médias internationaux, a pourtant permis d'établir
qu'il avait dissimulé entre 7 milliards et 15 milliards de dollars supplémentaires dans les trusts confidentiels aux Bermudes dont Forbes n'avait bien sûr jamais vu. Voilà. Donc, il s'agit d'une vertu peu répandue à ce niveau de patrimoine. Dans le magazine, Forbes nous permet donc d'évaluer tout ce que vous avez. Et puis voilà, donc le classement de Forbes a ainsi donc des fortunes gigantesques, bien sûr, dissimulées par ce milliardaire. Donc, on a donné l'exemple de Jim Simons, qui est à son égard, qui avait la fortune de ce fondateur d'un puissant fonds spéculatif new-yorkais, était donc estimé à 18 milliards et demi. J'ai recommencé encore parce que pour vous faire comprendre ce qu'il faut. Un monsieur, donc, il s'appelle ce qu'il s'appelle, on a cité le nom, James, qu'on appelait James Simons, à cet égard, édifiant plutôt, il avait, et dans cet exemple, il est tout à fait édifiant, parce qu'il avait caché l'argent dans un trust, il avait caché l'argent dans la charité, il y avait 7 milliards dissimulés dans la charité et 15 milliards dissimulés dans la charité, donc de dollars supplémentaires dans un trust confidentiel aux Bermudes dont Forbes n'avait bien sûr pas, ne jamais eu connaissance. Voilà. Donc, ça, ce sont des cas pour vous faire comprendre que quand je disais aux amis que le Forbes, c'est un magazine qui calcule par rapport à une enquête journalistique qui est tout à fait réelle. Et cette enquête nous démontre qu'on ne peut que considérer l'argent qui est en banque, l'argent qu'on connaît. L'argent qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire que vous êtes millionnaire si vous avez 10 milliards cachés dans les trusts, si vous avez 20 milliards cachés dans certains comptes ailleurs que les gens ne connaissent pas, ou bien vous avez mis peut-être au nom de votre enfant, votre fils, ce n'est pas ça le problème. Donc, vous n'êtes pas millionnaire. Voilà. Donc, pour être millionnaire, il faut vraiment déclarer l'argent, déclarer les biens immobiliers pour pouvoir déclarer qu'on est vraiment millionnaire. Donc, la méthodologie de classement, comme je vous l'ai dit, de fortune, présente une autre limite considérable en ne tenant plutôt pas toujours compte de l'entendement des personnes, des entreprises qui peut donc considérablement réduire l'ampleur de la fortune réelle, de la fortune réelle. Donc, autant d'écueils qui permettent de douter de l'exactitude des chiffres extrêmement précis, donc avancés par Forbes. Donc, et du sens même prêté du mot fortune, voilà. Ainsi, donc, le magazine américain évaluait en 2017 la fortune de Bernard Arnault à environ 39 milliards d'euros, 41,8 milliards de dollars de l'époque. Quant au classement équivalent établi en France par Challenge, avançait le chiffre de 47 milliards d'euros. Voilà. Donc, tout le monde n'est pas pris en compte. Tout le monde n'est pas pris en compte, comme je le dis. Dans de nombreuses personnalités publiques ne sont pas prises en compte dans le classement de Vénérable Magazine. Donc, ça, c'est le magazine qui le dit. Donc, c'est eux chez eux. On ne considère pas tout le monde. Il y a des autorités publiques, des personnalités publiques qui ne sont pas prises en compte par rapport aux critères pour pouvoir être considérés millionnaires ou milliardaires. Voilà. Donc, il en va ainsi de la plupart des monarques de la planète qui jouissent donc pourtant d'une richesse considérable. Mais alors, pour Louisa Kroll et Kerry Dolan, de Forbes, l'explication tient au fait que leur argent est par essence dû à leur position des dirigeants. Voilà. En d'autres termes, leur bien appartient à la réalité, à leur pays. Quand ils mourront, la fortune ira au prochain roi ou sultan. Voilà, vous avez compris un peu, je ne vais pas essayer de
développer ça d'une autre manière. Donc, s'il faut que je dise un petit plus, je dirais, donc c'est ce qui explique le pourquoi. Donc, pourquoi le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, MBS, n'apparaît pas dans le classement américain. Donc, il est donc pourtant propriétaire de nombreuses demeures, dont un château en France estimé à 275 millions d'euros et un yacht estimé à 420 millions d'euros. Difficile dès lors d'imaginer que MBS n'est pas milliardaire. Donc, on veut tout simplement dire qu'il peut être milliardaire, mais le problème, c'est que par rapport à ce qu'on doit déclarer, ce qu'on doit avoir, les actifs, il faut regarder les actifs. Alors, si il n'est pas dans ces critères-là, on ne peut pas le considérer officiellement comme étant milliardaire, tout en sachant qu'il est milliardaire par rapport à ces deux villas, par exemple, ces 255 millions d'euros et un yacht estimé à 420 millions d'euros. Donc, c'est difficile de comme je disais, c'est difficile donc dès lors d'imaginer que MBS n'est pas milliardaire. Voilà. Vous avez compris, je ne veux pas aller dans tous les paramètres possibles parce qu'on aura peut-être à développer. Ça se discute avec les amis, il faut vraiment en discuter. Par un régime, par plus un régime corrompu est corrompu, mais là donc, l'argent public et les intérêts privés les plus éva les plus et plus l'évaluation, les fortunes se compliquent. Donc, Forbes confirme d'ailleurs cette année dans un article où il est avoir conclu, où il explique avoir conclu plutôt de son classement tous les milliardaires saoudiens empoisonnés ou dépossédés, donc emprisonnés plutôt ou dépossédés, voilà, de leurs actifs dans le cadre de la récente campagne anticorruption menée par le régime de. Et leur fortune exacte est aujourd'hui impossible à calculer. Voilà, vous avez compris, chers amis. On dira aussi, donc, la même question se pose pour le président russe Vladimir Poutine. Les Panama Papers ont montré en 2016 qu'il contrôlait par intermédiaire des proches des actifs importants dans les paradis fiscaux. Mais il ne figure pas pour autant dans les pages de Forbes. Voilà, donc on ne peut que considérer ce qui est officiel. Chers amis, là je pense à Blaise Simbu, je pense à Zidane Ficoula, je pense à Gladys Sungu, je pense encore à d'autres personnes, à Doudou Nzongo qui était aussi de la partie. Et bien voilà, j'en terminerai là pour dire. En tout cas, un grand merci à tous les amis. Faites confiance à Rangotassa parce que nous sommes là pour lire certains documents et nous sommes là pour pouvoir donner l'information. L'information, c'est notre devoir. L'information, nous y sommes pour vous en parler. Et s'il faut qu'on en parle, on reviendra encore plus tard pour autre chose. Je ne peux pas partir sans oublier notre ami Mijo Barbershop qui, aujourd'hui, va bientôt lancer une gamme de restaurants avec son ami Tabou Fatou. Et voilà, on se retrouve à la prochaine fois pour pouvoir bien parler. Mais voilà, Rango Tassa, votre présentateur, Rango TV, pour vous parler, Rango TV, toujours dans le souci de vous informer. Voilà. Chers amis auditeurs, nous sommes, nos auditeurs, bien sûr, avec les gens qui regardent, qui nous regardent sur YouTube. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Juste un petit essai pour pouvoir vous parler de Forbes, comment analyser, comment trouver, comment reconnaître les millionnaires. Voilà. Vous avez compris, notre sujet du jour, c'était donc les limites du classement des milliardaires par Forbes. Parce que Forbes, c'est un magazine qui parle de des milliardaires, ce sont ceux qui savent comment déterminer. Eh bien, si vous n'en savez pas plus, si vous voulez en savoir plus, veuillez nous contacter. Rango Tsas, à votre présentateur. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci, au revoir. Je ne peux pas partir sans oublier Gladel Kikita, notre cher ami de Kinshasa. Big up.
Voilà. Au revoir.